Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 29 août 2024. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres. En ce premier jour de compétition des Jeux Paralympiques de Paris 2024, l'UTMB fait aussi la part belle aux athlètes en situation de handicap. Pour la toute première fois, une équipe handisport participe à l'événement. Source d'inspiration et de résilience, ils sont 12 à porter à Dossard pour aller l'arrivée à Chamonix. Et puis nous irons faire un tour dans les vergers de la famille Tissot en Haute-Savoie qui vient de débuter la cueillette de ses pommes et de ses poires. Et cette année, il n'y a d'ailleurs eu aucune perte sur l'exploitation. La ferveur autour des courses du OKUTMB Mont-Blanc est au rendez-vous cette semaine à Chamonix. Mais au cœur de l'événement, un engouement est né autour d'une toute nouvelle équipe, la team Adaptive. Ces athlètes en situation de handicap ont bénéficié d'un accompagnement pour transformer le défi que représente une course de l'UTMB en opportunité. Ça fait suite en fait au développement de la politique inclusion qui a démarré il y a 2 ans. Le groupe UTMB m'a contacté pour pouvoir faire, pour développer la politique inclusion. J'ai proposé en fait qu'on rende concret les mots avec 12 athlètes en situation de handicap ou de maladie et d'avoir divers handicaps, d'avoir des hommes, des femmes, des nationalités différentes et de pouvoir s'aligner sur différentes courses comme la MCC, OCC et UTMB. Réunis sous des valeurs de persévérance, de partage et d'inclusion, ils entendent inspirer le plus grand nombre. Ces coureurs ont pu partager ensemble une partie de la semaine en dehors des courses. Sur ces 12-là, personne ne se connaissait. Quand on est arrivé là en début de semaine, et tout de suite, la synergie a pris. Donc bon, Boris Girardi, qui était le manager de ce projet-là, a un don pour faire ça, pour réussir à faire que ces énergies marchent bien tout ensemble. Parmi eux, Jonathan Naboulé participe à l'OCC. Tétraplégique après un accident de rugby, il a créé son association Trail Sans Limites pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pratiquer le trail. Grâce à une joëlette, il peut toujours profiter de la montagne en gardant son esprit de compétition. Le jour où je me suis retrouvé en fauteuil, si on m'aurait dit un jour tu vas repartir faire de la haute montagne, découvrir des choses comme ça, je ne l'aurais pas cru. Et grâce à cette équipe-là, grâce à ces gens-là, j'ai eu la grande chance de pouvoir revivre ça et c'est génial. Et après, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours eu l'esprit de compétition. En plus, on fait ça dans l'intérêt de toujours se donner au maximum, essayer de faire les meilleurs temps possibles. Pour le moment, on se bat contre nous, en espérant que des fois, il y aura d'autres joëlettes pour se battre face à des adversaires. 26 coureurs se relaieront autour de lui sur 50 km et 3500 mètres de dénivelé. Un véritable sport d'équipe pour rallier l'arrivée. Alors, on est 5 filles dans l'association seulement, donc notre rôle principalement, ça va être d'être devant la joëlette pour être un peu en éclaireuse devant la joëlette, d'annoncer le parcours, de leur dire s'il y a des difficultés, des cailloux, des obstacles, pour qu'ils puissent anticiper. On sera aussi en charge du bien-être de Joe pendant toute la course parce que ça va être long, donc s'assurer qu'il ait suffisamment à boire, à manger, pas trop chaud, pas trop froid. Et on portera aussi le matériel pour réparer la joëlette, l'eau et la nourriture. Cet événement représente une première pour cette team adaptive sur une course labellisée UTMB, avec pour parrain d'exception l'ultra-trailer français Mathieu Blanchard. 1, 2, 3. Un clown dispersant des bulles dans l'air, un chantier où les petits jouent aux apprentis constructeurs, ou encore des installations ludiques et interactives. Depuis plusieurs jours, c'est l'effervescence avant la rentrée au Grand Bornand. Comme chaque année, le festival au bonheur des mômes transforme le village en aire de jeu, où chaque espace possède sa particularité, comme ici, au village nomade. C'est un espace comme une fête foraine, avec des jeux d'adresse, lancer de cerceaux, tir aux fléchettes, toutes sortes de jeux d'adresse, et aussi d'autres bestioles un peu imaginaires. Et c'est aussi une scénographie de fête, pour sortir de tous les événements que vous voyez en général, c'est des tentes blanches. Donc quand on vient ici, c'est une explosion de couleurs et c'est la meilleure arme du monde, la couleur. Manège à propulsion parentale et musicale, poisson géant à bascule, jouets articulés, ici, petits et grands s'en donnent à cœur joie. C'est très très varié, les bois flottés, les figurines un peu extraordinaires, ça sort de l'imagination, ils retrouvent ces figurines dans des livres. Ils adorent, moi je trouve ça formidable. J'aime bien le
le fait que les adultes nous poussent et aussi qu'on soit sur des roulettes et c'est drôle. Je trouve ça mignon qu'il y ait un petit truc qui tourne, puis le bonhomme juste à côté. Un peu plus loin, les festivaliers peuvent aussi profiter d'une ambiance cette fois plus mélodieuse, mais tout aussi expérimentative avec le jardin musical. Un lieu où plusieurs créations singulières du musicien Étienne Favre y sont installées lors de chaque édition. Ici, on a un labyrinthe dans lequel on a suspendu beaucoup d'éléments à toucher, à manipuler, et à traverser et à entendre en traversant. Et il y a des instruments géants. Ce sont des objets que j'ai conçus un petit peu de façon très diverse. Il y a beaucoup de roues avec des objets sonores dedans. Et aussi quelques objets sonores bien accordés, des carillons, des choses comme ça, voilà, des casseroles, enfin tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut imaginer, sur le plan ludique. Avec plus de 22 lieux de spectacle et environ 600 représentations, le festival attire en moyenne près de 65 000 visiteurs par an, tout âge confondu, et venu retrouver pour certains leur âme d'enfant. Le geste est rapide et précis. Depuis plusieurs jours, l'heure de la récolte a enfin sonné pour les pommes des vergers Tissot. Au total, une quarantaine de cueilleurs s'activent sur les sites d'Usinan et Coponay, où près de 15 variétés sont produites. L'opération devrait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pour savoir qu'une pomme est mûre, c'est déjà pour la variété La Gala, ça va être la coloration. Donc on va prendre les biens rouges. On va laisser les pommes blanches dans les arbres et on va ramasser des biens rouges. Ensuite, on a d'autres indicateurs qui vont faire qu'on va savoir si la pomme est mûre. On va avoir l'acidité, le sucre et l'amidon, et donc la régression amidon. Donc ça veut dire que la pomme dégage de plus en plus de sucre et on va pouvoir savoir si elle est mûre à ce moment-là. Cette année, contrairement aux saisons précédentes, pas de perte sur les 35 hectares de production. Pour la famille Tissot, ce bilan positif découle d'une météo plus favorable avec de faibles gelées, mais aussi les moyens déployés pour minimiser l'impact du phénomène. On a des machines qui prennent plus de l'air chaud pour permettre de sécher le végétal. On a des brûlots et aussi on intervient avec un hélicoptère pour permettre d'aller chercher l'air chaud en haut et le plaquer en bas. Donc ça permet de limiter vraiment le gel. Et avec ce mois d'août sec, on va avoir du sucre sur les pommes. Donc qualitativement, on devrait avoir un bon produit. Près de 1600 tonnes de pommes devraient donc être récoltées d'ici 2 mois. Une dizaine d'hectares de poires est aussi concernée par la cueillette. Et après chaque collecte, les fruits sont acheminés à Coponay. Ici, on est dans la station de conditionnement où on va conditionner les fruits pour les mettre en cagette, en barquette, en sachet, pour les préparer. Donc on les stocke et après on les calibre et on les met en caisse. Direction ensuite la grande distribution où près de 90% de pommes et poires Tissot sont destinées à la consommation sur table. Et pour ne rien gaspiller, le reste est lui transformé en jus ou en compote. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais au bulletin météo de Thierry Paulme. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc jeudi à partir de 18h avec un nouveau journal tout en images. Passez une très belle soirée.